Lazare, est-ce que t'es là? Tu es de retour en ville? Non, regarde, mon avion il a décollé au calme. J'ai 50 branches de cannabis, donc faut que j'aille les traiter. Est-ce que je vais les traiter tout seul? Prends une voiture et j'arrive au Comico. Oui, bien, je t'attends, à tout de suite. À tout de suite. C'est pas quoi? C'est mon mec. Hein? Quoi? Attends. Ça va ou quoi, Roméo? Ça va. C'est moi, Gucci, wesh. Gucci Mane. Ouais. Ça va quoi, mon pote? C'est quoi, dès qu'on est sur un point, je t'envoie la position et puis on essaye de faire ça ensemble, ok? Vas-y, pas de soucis. Parce que si on bouge tout sur un troupeau, ça va faire un peu griller, tu vois. Genre vas-y, t'inquiète. Ok, vas-y, ramasse, moi je suis déjà full. Bonjour. Ça va quoi? Qui êtes-vous, monsieur? Comment ça, qui êtes-vous? Sur mon territoire. Ton territoire? Vous êtes visé, hein. Faites attention. Attends, il m'a menacé l'autre bouffon là avec sa moto là. Je vais aller me poster là-bas, à côté de l'autoroute. Et dès que je vois une voiture de flic qui débarque, je les appelle au calme. J'ai vu une voiture du flic là passer, mais elle s'est pas arrêtée. S'ils étaient sur l'autoroute, faut pas repartir vers l'autoroute. Viens avec moi, on Vas-y. Va partir dans la montagne là-haut. Il s'est éclaté. T'inquiète, Roya, je tombe pas. Tfou, reste là. Et là, Karim, si tu vas à l'hôpital, tu perds tout, hein. Ils vont te vider les poches, mon pote. Karim, c'est la dernière fois, frère. Tu nous ralentis trop dans le processus. Tu me casses les couilles. Ferme ta gueule. Non, frère, de comment, l'une de mort? Toi, tu fermes ta grande gueule, j'en ai marre! Putain! Bon, je t'aime quand même, hein. Mais voilà, pas déconner. Heureusement. Dick, écoute-moi. C'est ta maman qui te parle. Oui, effectivement. Tu es sorti de ma chatte, alors que Karim est sorti de mon cul. C'est normal, ne lui en veux pas. Mais allez, bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi j'ai une communication directe avec les anges, regarde. T'es sérieux, toi? Sérieux, lui? Bah ouais, mon pote. Bah ouais. J'ai dit, est-ce que ça va, Karim? Oh, faut faire gaffe s'il n'y a pas les Schmitt. Hein. Non, pourquoi il y aurait les Schmitt? On sait jamais s'ils appellent. Non, t'inquiète. Karim, ouais, tu m'entends ou pas? Karim! Hein? Ouais, je réponds, wesh! Ah oui, quoi. L'hélicoptère il arrive, je l'entends là. Alhamdoulilah. Ah, par contre c'est la police, c'est pas l'ambulance. Ah, ok, Roya, t'as là, bon courage. Je rigole, c'est l'ambulance, petite pétasse va. On est là, monsieur, on est là. Ouais, on est là. Putain, ouais, on est là. Oh, il se pose bien et tout, hein. Ah, l'hélicoptère il va pencher au calme. Il va tomber l'hélicoptère. Wow. Wow, il a géré, hein. Attends, merde, il est tombé, je crois, Liz. Tout ça pour sauver Karim. Oh merde! C'est de peur que de mal. Ça va, Liz? Tu vas bien? Ok. J'ai juste roulé, j'ai fait les roulades. C'est les risques du métier, c'est pas grave. J'ai fait les roulades, c'est bon. Bon, t'imagines que c'est encore Karim, hein? Il est là. Oh. Voilà sa moto, l'arme du crime, si l'on peut dire. Et ce con, il est là. Faut faire attention dans la montagne. Ah bah ouais. Il va falloir le bouger parce que. Faut que tu m'aides à le bouger. Vas-y. Ah, moi pour moi, il est là, tu vois. Des lunettes un peu bizarres, tu vois. Karim, bouge! Je vais te bouger au calme! Wow, on va te bouger, j'ai frère! J'ai mal! Ramène une CVR, voilà, je vais te soulever au calme! Voilà, c'est bon, là! Voilà, c'est bon, là, parfait! Ah, voilà. C'est bon. Allez, bah il est devenu blanc. Il était peut-être chez moi. Bon, bref. C'est bien que tu aies un peu de détails de. Non, profite pas, putain! Fais plaisir! Eh ouais, toujours le même! Salut Dick! Toujours le même! Quoi, Dick? Ça va et toi, Roya? Toujours! Théma, bravo, toujours! Les gars. Toujours ouais, Karim! Tranquille. Toujours Karim, c'est un truc de ouf! Oh là là là! Eh, c'est pas pour rien que c'est mon jamais frère adopté! Dick, toujours Karim! Ah bah ouais! Toujours! Grosse toujours boule, j'ai mais. Mal à la tête, toujours je suis petit dans mon cerveau, moto, quoi. Toujours je. Eh, faudra passer un IRM du crâne! Est-ce qu'il y a une carte? Hein. Ok, on se lève. Excusez. D'accord. Ah, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une carte de fidélité chez vous ou pas? Bah, on fait pas payer. Ouais, dis tampon, t'as droit à un kebab! Je sais pas parce que je vais être VIP hein, apparemment là chez vous là. Vous allez avoir une photo de moi dans le dans tout le l'hôpital. Et le meilleur blessé du mois, ah, Karim Balboule. Ah attends, 10 minutes parce qu'on rigole, Le meilleur patient du mois. Là, oui, tu vois ça venez avec nous déjà, on va se mettre sur un endroit un peu plus plat. Est-ce que vous avez exactement des vertiges là? Comme ses fesses, ça peut bouger ici. Je sais pas qu'est-ce que vous faites ici mais... Bah une balade, on fait une balade. On faisait un concours de moto. On faisait des boss, tout ça, on courait. C'est un peu trop boueux ici. Eh, vous avez réussi à garer l'hélicoptère ici au Ken? On ne garde pas un hélicoptère, on le fait atterrir. On ne garde pas, ouais. On se pose avec un hélicoptère. Putain, il me dit goût. Ouais, commencez pas à jouer, hein. Je suis tombé en moto, hein. Vous allez commencer à me abîmez pas l'hélicoptère, par contre. Abîmez pas l'hélicoptère, s'il vous plaît, on se calme. Allô. Allez, vous avez mal à la tête, vous passez un coup de téléphone. Ouais, il sort d'un coma, il appelle la CAF. Non, rappelez dans 5 minutes, s'il te plaît, parce que là, j'ai mal à la tête. Attends, c'est Anastasia, ça? C'est Anastasia, ça? C'est qui, ça? La personne au poste. Fais gaffe, hein. Ok, alors venez. Voilà. Ok, tu me vois clairement ou pas? Je vous éclaire,
Je vous ai éclairé là. Attends, je regarde. Ouais. Non, ouais, non, je vois tes beaux yeux bleus. Ok. Pas de. Bon, à part les maux de tête, t'as la tête qui tourne, est-ce que t'as des nausées? C'est bien si vous avez un truc pour la tête, s'il vous plaît. Pour la tête? Tu veux un. Ok. La douleur à la tête, elle est à combien là? Sur 10. Doucement. Non, 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 monsieur, s'il vous plaît. Doucement, monsieur, monsieur, doucement. Monsieur, monsieur. Descendez. Vous avez besoin de plus qu'un doliprane, vous. Monsieur? Je crois qu'il a fait un malaise, hein. Ouais, il a fait un malaise. Je crois qu'il va pas bien. Mais lui, ça aide depuis tout à l'heure. Ah, il a fait un malaise. Wesh. Wesh, Roméo. Mais la moto. Mets-moi la moto. Déplacez la moto. Déplacez la moto, s'il vous plaît. Bah, moi, je la vois. Vous faites quoi? Bah, c'est vous, monsieur. Vous faites quoi? Bah, donc, ma moto, vous m'avez dit. La douleur, elle est à combien sur 10 là? On va pas le même chose alors, du coup. Donc, je suis au paradis. Je comprends plus rien. Je suis au paradis. Dieu, où es-tu? Dieu. Faites un petit saut. Vous avez un moustique sur votre cuisse. La douleur, là, sur 10, elle est à combien? Pour savoir ce que je veux. Elle est à 3. Elle est à 3. Un doliprane simple alors. Hein. Ça va. Ça c'est magique hein, quand même à Los Santos. Hein. On sort d'un coma, on prend un doliprane et hop, c'est réglé quoi. C'est fou hein. Ah ouais, c'est doliprane magique quoi. C'est fou quand même. Oula oula. Eh Lise. Ah oui, mais si t'as pas de séquelles. Je retiens toujours, hein, tu m'as pas invité pour ton mariage. Oh là, c'est haram, c'est pas bien. C'est pas le moment. Y a c'est pas eu... le moment. Allez, voilà. Sur son lit. Elle m'a pas invité non plus. Comment ça, y a pas eu? Tu te fous de ma gueule. Mais s'il vous plaît. C'est même Chang qui a. Elle m'a pas invité non plus donc. C'est même Chang qui a lu pour toi les. La Bible, tout ça et tout là. C'est pas Chang qui fait ça. Par les droits. Ah non, c'est pas Chang le prêtre. Donc tu dis bien qu'il y a eu un mariage, tu vois? Ok, tenez. Instabilité va continuer. Oui, mais c'était pas vrai. C'était un pré-mariage. C'est comme les mariages à Las Vegas. Non, ça s'appelle des fiançailles. Ça s'appelle des fiançailles. Pareil. Un pré-mariage, c'est des fiançailles. Non, mais là c'est mariage Las Vegas. Là. Ah, c'est un préavis quoi. C'est après au bout de 3 mois, voilà. tu te casses quoi. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est fini. Donc t'es célibataire. Bon, ils ont autre chose à faire quand même. T'arrives à marcher ou pas? Attends, 2 minutes. Mais oui, t'inquiète pas, il va sauter comme un cabri là. Ouais, c'est bon. Voilà. Attends, 2 minutes. Voilà, c'est bon. Voilà, je veux dire, s'il se sent bien, tu vois, j'ai pas le retenir. Je veux pas. Mais du coup, Liz, t'es célibataire ou pas, là? Vous en prie. Bah non. Ah. Non, elle est pas célibataire, Liz. Ok. Liz, merci, hein. C'est pas grave, hein. Merci, Liz. Des bisous. Non, allez, monsieur. Veuillez vous écarter, on va démarrer l'hélico. On démarre pas un hélicoptère, on le fait décoller. Merde. Je rigole, c'est des morts. Allez, bisous. Ah non, 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 je conduis pas. Elle a dit non, je conduis pas. Bon, Karim, t'as vu avec tes conneries, Roya? Tu nous fais perdre une demi-heure. Une demi-heure, la putain de ta race! Karim, plus jamais. Ah voilà, plus jamais, frère. Arrête de faire le fou là. Attends, c'est pas de ma faute, hein! C'est ta faute, frère. Je vais lui faire prendre des chemins plus faciles quand même. Ouais, vas-y, vas-y. Des chemins plus faciles, bah oui, frère. Oh, ça cogne. What the fuck? Faut que je mette de l'essence. Pourquoi tu me fonces dedans tout le temps, Karim? Est-ce que je peux comprendre pourquoi? Wallah, je te fonce pas. Non, mais là, t'es arrivé, tu m'as percuté, Roya, la roue arrière. Ah bah j'ai pas vu, moi chez moi ça a pas fait ça. Ah bon? Oh Dick. Ouais. Si tu veux, il me semble 2h du mat, il y aura le blanchisseur qui va m'appeler. Vas-y, vas-y, bah vas-y, le temps de faire tout ça là. Ah, on peut même. Et là on va faire quoi là? On fait quoi là en fait? Là on va les traiter, frère. Là on va traiter. On va traiter, après faut vendre et après on va passer au blanchisseur. Mais comme il arrive à 2h du matin, on a le temps de faire deux allers-retours, enfin deux voyages je pense. Vas-y, moi j'ai fait mon plein, je vous attends. Ah, faut mettre le plein? Bah oui, frère. Bah c'est si t'en as besoin. T'as besoin? Non, c'est bon, j'ai la moitié, ça va. Mais non, mais le plein, frère. Mets le plein, on va faire de la route. Okay. Là. On va faire de la route. Ok. Let's go, trare. Tout le monde a fait le plein. C'est une sacrée aventure hein, de faire de la drogue, hein. C'est pas évident. Hein. Faut devenir un expert de la drogue. Par contre, le mec qui nous a menacé, j'ai pas trop aimé. Hein. Zama, ça veut prendre les points de vente, je sais pas quoi. Bon, on me la fait pas à moi, frère. Allô? Me dis pas qu'il a encore fait un accident, Karim. Putain, me dis pas qu'il a encore fait un accident. Non, mais c'est pas possible. Attends, mais il est où lui? La personne au poste 2-1. What the fuck? Wesh! Vas-y, ramène-toi, wesh! Tac! Hey, Karim! Voilà, t'es ma maman! On se balance pas, hein? Voilà, on se balance pas. Vas-y. T'es fou ou quoi, toi? Ouais, parce que hier, c'est pas ce qu'on m'a raconté sur ta petite gueule, hein, salope. Ouais, allô? T'es où? Je suis à côté du truc de pêche, là, tout en bas. Mais Karim, il est où? Je sais pas, toi, t'es où, là? Je suis derrière, là, je t'ai vu. Mais. Je sais pas où il est. Il est là, et le truc il est là? Je sais pas, peut-être, mais Karim, je crois qu'il s'est gamelle encore. Attends, je vais voir s'il est là. Ouais, c'est ici le traitement, c'est ici. Envoyez la position et je commence à traiter. C'est bon, là on commence à traiter. Je vais appeler Karim. Il me dit pas qu'il est tombé encore lui. C'est abusé là. Je crois qu'il est tombé le con. Hein. Ok, Karim est tombé dans le coma. Super. Wesh. Alors lui, c'est un spécialiste. Hein. Voilà, c'est un spécialiste, au calme. Bon, faut que je me concentre, je suis tout seul, j'ai pas de guet, Romo il est avec Karim, il est en train d'appeler l'ambulance, je suis tout seul. Si on vient de me braquer, je suis foutu, si les flics arrivent, je suis foutu. Ok, c'est ce qu'il faut se dire. Déjà, ce que je vais faire, déjà la moto, elle laisse pas là, tu vois. Je mets ça comme ça, dès que les flics arrivent, je me casse au calme, voilà.
Je vais appeler Roméo pour voir s'il a trouvé Karim. C'est un boulet, ce mec, c'est un putain de boulet. Ouais, allô, des nouvelles de Karim ou pas? Je l'ai retrouvé éclaté sous le pont. Ah putain. T'as appelé l'ambulance? Non. Bah appelle, frère. Bah d'abord j'ai retrouvé sa moto. Faut d'abord que je retrouve le corps. Ah merde, bah ouais putain. Ah ouais, chaud. Voilà, hein. Putain. On est sous le pont au cas où. Bah au pire t'appelles quand même l'ambulance et puis vous cherchez à plusieurs quoi. Faut que ce soit sur place quoi. Putain, s'il va à l'hôpital, s'il embarque à l'hôpital, c'est fini hein, il perd tout hein. Bah oui. Et plus de l'argent. Vas-y, regarde, moi je suis en train de traiter là. Je te tiens encore. Okay, vas-y. Envoie-moi la position où t'es. Pour accrocher avant. Ça va, il me reste encore 20 branches de cannabis. Aujourd'hui, c'est 50 dollars la tête. La tête. 50 dollars la tête. C'est la police. Vêtements. Déjà, on met le masque. Voilà, j'ai entendu la police. Oh calme, j'ai flippé. Voilà, j'ai flippé. Sérieux, lui. Vas-y. Plus que 17 branches de cannabis. Allez, allez. Franchement, ça va vite. Y'a personne qui fait le guet, frère. C'est un peu stressant, tu vois, c'est un peu des chocottes. Avec Karim, rien ne va comme il le devrait être. Attends encore les sirènes. Vas-y, vite. C'est l'ambulance, je crois. Hein. J'espère que c'est l'ambulance. Je regarde un petit peu de l'angle, comme ça. Allez, je suis à combien? Allez, encore 6. C'est pas beaucoup, 6. Allez, on se dépêche, 5. Je suis à 4. J'ai l'impression que les flics vont arriver. Est-ce que je serai trop gourmand? Est-ce que je serai trop gourmand? Non, vas-y, go. Allez. Allez, la dernière et c'est bon. Traitement en cours, tête de weed, c'est bon. Ok, c'est bon. On se casse. À bientôt, monde cruel. On va s'isoler un petit peu. Je vais me mettre là. Vêtements, j'enlève. Je vais appeler Roméo. Il va me mettre sa position, comme ça je vais les rejoindre. Bon, déjà, j'ai traité, c'est cool. La personne au poste 2, 1. What the fuck? Ah, bah, c'est bon. L'ambulance, elle est là, en fait. Ah, c'est juste là, en fait. Karim, il est où? Il est jamais très loin d'une ambulance, hein, généralement. Ouais, ils sont tous les deux dans le coma ou quoi, là? C'est quoi, ils se délirent? Je crois ils sont tous les deux dans le coma. Je vais faire quoi, moi, avec la weed, là? Monsieur. Oui, excusez-moi. Karim. Ah, oui, Dick. Ouais. Il est où, ton ami? Bah, qui ça? Bah Karim. Bah j'en sais rien, c'est Roméo qui a appelé. Merde. Roméo, t'as des nouvelles de lui? Bah Roméo il est là-bas et Lise elle est en train de s'occuper de lui. Ah, pourquoi il a eu un accident lui? Ouais, il a eu un accident juste après votre appel. Oh là là, mais du coup Karim, ça veut dire qu'il est à l'hôpital là? Je sais pas, t'as des nouvelles de lui, tu peux l'appeler? Bah non, je vais l'appeler là. Oh putain, mais ouais, lui il enchaîne les cascades, c'est un truc de ouf. Non mais c'est pas possible. Toi je l'appelle. Toi t'es prudent comparé à lui. Bah de ouf, regarde-moi mon cassin, pantalon, c'est normal, obligé. C'est très propre. Toi je l'appelle. Ouais, Karim! Plus de voix. Quoi? Yeah, j'ai perdu mon arme. Non. J'ai perdu 250$. Non. Et j'ai perdu tout mon shit. Ça, parce que je parlais devant une caméra dans mon esprit, sa mère la tient. Oh, putain. Parce que là, en fait, je suis avec Sam, c'est Sam. Gorge yeah, nouée. Il est avec ta moto chicha là. Oh là là, 200. Et en fait, je suis avec Roméo. Donc, on va continuer notre balade. Et puis, on se captera en ville du coup. Ouais. Putain, voilà. Tu vas faire quoi? Marcher un petit peu, j'ai envie de marcher un petit peu. Ok. Bah, Roya, dès qu'on a fini la balade, je te tiens au courant alors. Hein. Ou bien, au pire, on se capte quand même, tu viens avec nous, Roya. Tu viens avec nous. Au moins, ta position. Va récupérer ta moto déjà à la casse. Et puis, je t'enverrai la position. Ok. Vas-y. Ouais, Roméo, ça va quoi? Dick. Ouais, quoi? Ils l'ont amené. Ouais, non, mais je sais, je l'ai au téléphone là. Il vient de sortir de l'hôpital. Ah, il est déprimé, hein. Il avait pas de carte vitale, ils lui ont pris de l'argent et tout. C'était compliqué pour lui, hein. Mais pourquoi il est retourné avec l'équipe X? On était sur place. Bah, parce que justement, Karim il est con. C'est ça le problème avec Karim. Mais faut attendre un peu. Il y a un nouveau système maintenant avec votre téléphone, vous pouvez bouger. Bah ouais, mais il est bête. Votre moto elle est là-bas, je crois. Elle est encore dans le buisson là-bas. Viens, Roméo, monte, je t'emmène. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Élise et Sam. Vous êtes efficace aujourd'hui. Mais faites attention, hein. Ah voilà, vous avez eu du travail grâce à nous, hein. Ça fait plaisir. Allez, bisous. Bah je pense. Allez, grâce à cause. Ça fait plus... Allez, où ta moto, frère? Je sais pas. Attends, il y a John. Attends, il y a John qui m'appelle, frère. Allô? Dick. Ouais, ça va ou quoi, John? Bonjour, comment vas-tu? Alhamdoulilah, et toi? Là. Dis-moi, oui. Je t'appelle pour savoir si tu as des petites infos pour moi croustillantes, un truc qui pourrait me faire monter en sergent. Ouais, bien sûr. Roméo, monte avec moi. C'est Mathieu ou pas? Roméo, monte sur la moto. Attends, il y a ma moto. Roméo. Ouais, bah voilà. J'ai entendu dire que les forces de l'ordre. Enfin voilà quoi. Ouais. Ils voulaient me raser la tête parce qu'ils aimaient pas trop les dreadlocks, tout ça. Donc ce que je peux faire, moi je peux m'arranger pour qu'il arrive en bonne et due forme au Comico quoi.
Si tu nous le ramènes, il faut qu'il y ait des trucs sur lui qui l'inculpent. Bah là, actuellement, il y a des trucs sur lui, tu vois. Ok. Ramène le mot au Kumiko. Ok, je vais tu sais quoi ? Attends. Ouais. Attends, est-ce que là tu quoi ? Il faut que tu vendes, il faut que vous vendiez, c'est ça ? Tu vas vendre là ? Là, moi j'ai transformé, lui il faut qu'il transforme là. Je l'ai transformé là ? Ouais. Je t'envoie quoi ? Ok, vous avez rien à vendre ? Barré. Ok, ça marche. Roméo, tu connais John ou pas Roméo ? Ouais. Ok, ça marche. Ouais, vas-y, ça marche, vas-y, rappelle-moi. Vas-y. Vas-y go. Roméo, attends. Je vais envoyer la position à Karim. Il m'a dit qu'il voulait la position. Vas-y, je vais envoyer. Moi, j'ai fini de traiter Roméo. Donc, on fait quoi ? On attend Karim vient, comme ça on fait moi et lui le gay, ou bien je fais juste le gay tout seul et tu traites ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les bails ? Je sais pas. Attends, j'attends juste des nouvelles de Karim. Je l'appelle vite fait, tu vois. Ah ouais, putain, je t'avais perdu de vue. Attends, Karim, m'a envoyé un message. Je vais aller pisser. Vas-y. Dick. Ouais Karim, je t'ai envoyé la position. J'arrive, là je prends une voiture, j'arrive, t'inquiète. Vas-y, ça marche. 8 km, à tout à l'heure. Yalla, vas-y. Ouais, Roméo. Ouais. Y'a Karim qui arrive, il arrive en voiture, là il est à 8 km, ok. Vas-y, bah viens, on va guetter. Ok. Non, bah au pire, tu sais, vu qu'il a pas de moto, c'est moi qui vais guetter en attendant, parce que une voiture t'es grillée à 2 km, tu vois. Vas-y. Vas-y, bah je vais te traiter. Vas-y. Attends, tu veux que je me place où ? Roméo, tu veux que je me place où ? Tu veux que je me place où ? Tu veux que je gâte toi tout en haut de la montagne. Tout en haut de la montagne. Vas-y, ok, ça marche. Ouais. Allô. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ne parle pas, on est en chemin, ok? On arrive là. Ok. Là, il vient à peine de commencer à traiter. Écoute, moi j'aurai un polo rouge et un pantalon blanc, casque rose. Pantalon blanc, t-shirt et polo rouge. Lui, il est à l'intérieur de la cabane, il est en moto, il a mis sa moto à l'intérieur, dans la cabane, tu sais, la cabane de pêcheur là. Ok, il est habillé comment lui? Lui, il est habillé, il a une sorte de. Bah, il a dreadlocks et puis il est crêle. Il est noir et puis il a une veste noire. Tu sais, une veste noire, tu pourras la. Il est full noir lui, c'est ça? Ouais, il est full noir. Ok, est-ce que t'es un silencieux? C'est-à-dire? Est-ce que tu peux lui crever un pneu? Non, je peux pas. Ok, ça marche, pas de soucis. Ouais. Ça marche. On arrive. Ouais, combien de kilomètres? Je suis à 5 km. On arrive là, hein, okay. Aussi, on arrive fort, on arrive très très fort. Vas-y. Là, il vient à peine de commencer à traiter, donc il a 50 têtes à faire. Marche, ok, pas de soucis. Vas-y, regarde là. Parce qu'en fait, Roméo, il est recherché par les flics. Je vais appeler Karim. Allô Karim, t'es où là? J'arrive là, je suis à 2 km. Ah, ok. Yalla, à tout de suite. Là, je suis en train de guetter pour Roméo, tu vois. Il est en train de traiter, ouais. Vas-y, Roya, j'arrive, je suis là dans 2 km. Vas-y, Tadla. J'appelle Roméo. Ça va être compliqué, ils sont à 5 km. Il est en train de traiter et tout. Ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Ouais, RAS pour l'instant, Roméo. Ok. Ouais, t'as combien là? J'ai bientôt fini. T'as combien? 40? Pas. Non, parce qu'il y a Karim qui arrive en fait. Il y a Karim qui arrive. Il m'a dit qu'il est à 2 km lui. Ouais. Et je sais pas s'il veut repartir récolter ou bien. Je sais pas, on verra avec lui, tu vois. Ok. Ah, ok, vas-y, à tout de suite. À tout. Putain, ça va être compliqué de le choper. Il est trop lent. John a été trop lent. Je pense qu'ils vont pas le choper. Hein. Je vais enlever le message. Il a presque fini. Putain, il a fini. Ouais. Attends, viens, on l'attend. On attend Karim, viens. Je vais donner la position. Viens, on l'attend. Vas-y. Il est où? Wesh, il est où ce con? Ouais, Karim! Il est dans combien de temps? Allô? Ouais, Karim, t'es où? Rouya, je viens de me faire courser par la police. Non, sérieux? Là, je les ai semés, il y avait une voiture, une moto. Comment je les ai semés? Vas-y, Roya, on t'attend au niveau de la cabane de pêcheurs. Vas-y. Attends, là je suis dans un buisson, bébé. Je te donne ma position. Ah ouais, vas-y, envoie ta position, ouais. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, Roya. Je sais pas, il est dans un buisson, j'ai rien compris, n'importe quoi. Putain. Allo, Karim? You? Ouais, on est au-dessus de la cabane des pêcheurs, sur la montagne. Ouais. J'arrive, il a encore place. Ouais, vas-y, Karim, on t'attend. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Ouais, y'a le Schmitt. Ah ouais, merde, attends. What the fuck? En fait, Karim, il m'a dit qu'il s'est fait courser par les flics et c'est pour ça qu'il est dans un buisson. Ah ouais, le. C'est lui qui les a ramenés ici, wesh. Je lui donnais la position, en fait, tu vois. Attends, j'appelle Karim, pas qu'il vienne. Putain, il cherche de ouf. Attends. Putain. Ouais, Karim! Où? Ouais, Karim, on est au-dessus de la cabane à pêcheurs, au-dessus de la montagne. Viens pas, y'a les flics, hein. On est juste au-dessus de la cabane à pêcheurs, sur la montagne. Ok, sur la montagne, tout ouais, en haut. Ouais, tout en haut, ouais. Ouais, fais gaffe, y'a les flics, hein. Ok, ça marche. Ouais, tout de suite. C'est bon, je dis de pas venir, tu as dit qu'il y avait les flics. Vas-y.
Tout ça pour piger Roméo. Je crois qu'il nous a vu, non? Non, 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 ils ont rien vu, frère. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen, wesh. On est trop loin, on est trop haut, là. C'est impossible. C'est trop suspect, tu vois. Mais j'ai pas compris pourquoi Karim, il a pas entendu l'ambulance tout à l'heure. Ils étaient juste là. Ouais, ça, tant pis. Ah, mais c'est relou, tu vois. Et là, t'as un truc là sur toi? Bah oui, frère, j'ai traité, moi. Vas-y. Vas-y, il se casse. Vas-y, recule. Recule. Roméo, recule. Ils arrivent. Mais ils viennent. Non, sûr que t'as pas appelé le Schmitt. Frère, j'ai appelé qui? Ouais, j'avais Karim au téléphone. Karim. Mais bien sûr, ouais, j'ai appelé le flic en disant ouais. Mais t'es sérieux, frère? Mais moi aussi, j'ai des trucs sur moi. Bah, ça se trouve. C'est Karim qui les a ramenés dans un buisson, frère. Voir. Passe-moi une tête. Vas-y, bouge pas. Tu peux te passer comme ça ou pas? Tête de 8, viens. Bon. Ouais, j'étais sérieux, tu fais pas confiance, frère? Bah, je sais pas. T'abuses, là. Je sais pas. Bah, non, t'abuses, frère. T'inquiète, j'ai confiance. Bah, tiens. Oh. Ils sont en dessus. Comment ça? Où ça? Regarde à gauche. Ah ouais, vas-y, go. Mets ton casque. Mets ton masque. Bah, j'ai un casque, c'est bon, non? Go, vite. Oh, la moto, et casse-toi, frère. Hop. Salut. À bientôt. Il n'a rien à voir là-dedans, moi. Je sais pas s'il a réussi à l'avoir. Je sais pas du tout. Je vais appeler Karim. What the fuck? Karim, il est là? Non, Karim, il est pas là. Attends, j'appelle Karim, voir où est-ce qu'il est. La personne au poste 2, 1, 3, 4, 4... Attends, je vais appeler John. Allô? Ouais. Ouais, John, tu l'as eu ou pas? Non, négatif. Non, il est en motocross. Ah, merde. Tu sais qu'il a douté de ouf, hein. Il s'est dit, ouais, t'es sûr que c'est pas toi? Et je lui ai dit, mais non, ouais, j'ai peut-être du weed sur lui. Il m'a dit, vas-y, donne. Je vais de la weed, hein, pour qu'il me croit, tu vois. J'étais chaud. Ouais, du coup, là, je pense que je vais lui redonner rendez-vous, tu vois. Mais là, ça va être tendu, à mon avis. Faudrait que vous soyez déjà sur place et tout, parce que t'as vu le temps que vous veniez et tout. Ah ouais, c'est ouais. Dommage. Non, mais même en fait, vous aurez pas dû être aussi haut en fait. Mais en fait, en fait, il voulait pas descendre. J'avais pas d'excuse pour dire, viens, on l'attend dans la cabane à pêcheur, tu vois. C'est trop suspect, tu vois. Donc voilà quoi. Bah écoute, si j'arrive à le choper, parce que centre-ville c'est mieux, frère. Là, montagne, vu qu'on a des crosses, c'est plus simple pour nous, tu vois. Je vais essayer de le ramener au centre-ville. Vas-y, on suit au courant, John. Ça marche, tiens-moi au courant. Je vais appeler Karim. Vous êtes loin? Non, mais t'es où, frère? Je suis à l'autoroute là, je suis sur l'autoroute. Attends, je t'envoie ma position? Ou là, t'as une moto ou pas? J'ai rien du tout, moi, je suis sur l'autoroute, regarde. J'ai peur que, en fait. Tu m'as vu passer ou pas? Hein? Tu m'as vu passer? Non, pas du tout. Ok, remonte ta position, s'il te plaît. Ok, vas-y, à tout de suite. Vas-y. Oh, j'appelle Roméo. Ouais. Ouais, Roméo, t'es où? Eh, tu sais que je me suis croûté, frère. Hein. Ouais. Frère, je suis tombé en bas et tout. Je suis resté dans un buisson, après, je me suis taillé. T'es où là? Moi, je vais aller récupérer Karim. En vrai, c'est des grosses merdes, les chemises. Comment ça? Grosses merdes. Les ai tracés en 2-2. Bah ouais, frère, on a des crosses. Eh, regarde, je vais aller récupérer Karim. Il m'a envoyé sa position, on se capte après. Vas-y. Hop. Je pense qu'il sait, c'est moi qui la balance. Il aura pas dit ça, tu vois. Il est où? Ouais, Schmitt, je me suis fait courser sa mère à la timbre. Bien sûr qu'il y a des flics, je me suis fait courser. Regarde-moi ça, comment je suis sa mère. Vas-y, viens. Regarde-moi viens. Ça, mais toi t'es où là? Regarde, je me suis fait courser, j'ai perdu 250$ à grand-mère. Voilà, je suis dégoûté. Monte! Oh là, je suis dégoûté, frère. Ils m'ont coursé sa mère à la timbre. Tu sais que la voiture elle est juste là. S'en fout. Regarde, du coup, t'as rien sur toi là? Ouais, désolé. Non, j'ai rien. T'es où là? Ah, Roméo il m'a dit ils sont au coin de traitement. Ouais, je sais, bah j'étais avec lui, frère. Dick. Bah j'étais avec lui. Ouais, il m'a dit ils sont au coin de traitement. Donc on arrive avec Dick alors? Non. T'es où toi? Non, dis-lui, rendez-vous à la plage pour le point de vente. Rendez-vous à la plage, le point de vente. Il m'a dit rendez-vous. Dick il m'a dit rendez-vous à la plage. Point de vente, ouais. Vas-y, à tout de suite. Ok? C'est bon. Il y va ou pas? Il y va. Vas-y, je lui envoie ma position, on y va ensemble, c'est mieux. Mais regarde, comment ça ils t'ont coursé les flics? Bah je suis passé en bombe sur... tu m'entends là ou pas? Ouais, je t'entends, ouais. Je suis passé en bombe sur l'autoroute. Et voilà, ouais. Ils m'ont coursé, frère. D'un coup je vois une voiture... Tu sais, nos voitures, nous, elles sont bridées à ces bâtards par rapport à ces bâtards là. Ouais. Et je vois, ils commencent à d'un coup à me rattraper. Il y avait une moto plus une voiture blanche. Pas les voitures des flics, une voiture blanche. Et je crois que ça doit être Captain Johnson ou là, je sais pas quoi là, l'autre là. Et en fait j'ai eu un accident, ouais. Ça a tourné ma voiture, je les ai semés. Eh bah mon vieux. Sacrée aventure, toi. Ouais, je suis un beau gosse quand même. Bah ouais, je vois ça. Ah hein. Ouais, sa mère. Ah ouais. On peut dire que cet épisode-là, il va être lourd en... Ouf. En rebondissement, vu que t'as bien rebondi contre les rochers en et contre la terre. Ah bah oui. Attends, j'appelle Roméo. Vas-y, appelle-le. Je
je vais appeler John. Ouais, Roméo, je suis avec Karim là. Du coup, non, on se capte. Je vais avec vous 05 si vous voulez. On se capte au point de vente de la plage, si tu veux. Je suis avec Karim. Mais Karim, tu te rappelles, il a pas de weed sur lui. Donc c'est tranquille pour lui, tu vois. On se capte au point de vente à la plage, si tu veux. Point de vente à la plage, genre celui qui est à tout à. Ouais, tout à côté. Ouais, à côté de vendeur de masques, tout ça là. Ok, ça marche. Vas-y, go, c'est parti. Vas-y, dans 6 km. À tout de suite. Essaye de temporiser. Nous, on va arriver à faire un dispositif là. On va arriver hélico, tout ça. Vas-y, ça marche. À tout de suite. Vous êtes clean, tous deux, vous êtes clean. Moi, je viens de traiter moi. Attends, tu sais, il me croyait pas, Roméo, que j'avais traité de la drogue, il croyait que j'en avais pas, hein. Ah ouais? Ouais, Roméo, allô? Dis-moi, excuse-moi, j'ai raccroché, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, ouais, tranquille. T'as quoi? Tu me dis, t'as quoi? C'est toi qui viens de t'arrêter, là? Non, je me suis pas arrêté, moi. Okay, là, okay. Je suis pas en ville, je suis en dehors de ville, la police derrière. Tu me dis, t'avais quoi, du coup, sur toi? J'ai pas entendu. Attends, Kalebs. Putain. Passe à droite. Pas monter, ouais, voilà, bien vu, beau gosse. Ouais, t'inquiète, stresse pas. Passe à gauche. Ils peuvent pas monter. Vas-y, monte tout droit maintenant. Voilà, t'inquiète, ah ouais. Ça passe crème au calme. Mais pourquoi ils veulent nous arrêter? Ils sont sérieux? Mais c'était ça, c'était lui la voiture de police, l'enculé. Regarde, il est en bas, regarde là-bas. Non, c'est pas lui. Vont pas passer. Non, c'est pas lui. C'est voilà, pas lui. Passe là, bien joué. Si, je les ai vu derrière, ils arrivent. Sérieux? Voilà. Doucement. Ouais, t'inquiète. Hein? Tu veux pas que je prenne le volant? Non, attends, y'a Hawk qui m'appelle. Ah, c'est peut-être Hawk. Allo? Allo? Ouais, Hawk, ça va quoi? Ouais, et toi? Ça va. Alors, comme ça, Wolda Haram, tu me casses des choses. Comment ça? Ah, je vois que les infos, elles fuitent plus chez moi, elles fuitent autre part. Hein. Comment ça, Hawk? Comment ça? Ah, je sais pas, moi, on m'a dit, y'a un certain Aprio. Là, c'est des infos et n'appelle pas un mot. Bah écoute, moi je t'ai appelé tout à l'heure, mais t'étais pas encore arrivé en ville, regarde. Ah, c'est vrai, je suis arrivé il y a une petite heure et demie. Ah bah voilà, ouais, t'inquiète. Vois. Donc là, j'étais avec John, regarde. Donc on a essayé de changer NS. Dis-moi. Appelle John, il va te donner les infos si tu veux. Non, mais t'inquiète, c'est à la radio, donc il me dit tout. Ah, okay, tout, okay. T'inquiète. Et bah, vas-y. Ouais, ok, ça marche, nickel. Vas-y, bah allez, gros, tout à l'heure peut-être. Vas-y, regarde, t'as là. Je pense que c'était Hawk. Comme par hasard, il m'appelle juste après. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, on a... Attends, faut que je me change, moi, Rouya, non? Ouais, t'inquiète. Attends, y'a John. Qu'est-ce qu'il veut, John? Ouais, John. Écoute-moi, la vente est au nu unicorn. D'accord, ok, ça marche. Ok. Écoute-moi. Comment dire? Je t'ai sauvé le cul, hein, tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, c'est moi qui leur ai dit de laisser tomber, de ne pas vous suivre. Ok. Tu mets tout ça en place. Moi, je veux Roméo. Je veux vraiment cet enculé, ok? Vas-y, ça marche. Ok. Tu sais, Hawk, il m'appelle et me dit: ah ouais, comme ça, on de la haram, ça donne pas les infos. Vas-y, regarde ce cap, ça. Allez, t'as l'air, ça. Je sais pas. J'ai eu des infos de la part de Hawk. C'est mon gars sûr, bébé. Il m'a dit le point de vente, il a Unicorn. Du coup, je vais appeler Roméo, frère. Bella. Ok, d'accord. Mais il faut que j'aille me changer, Rouya. Parce que là, on va s'y rattraper. Ouais, t'inquiète. Moi, j'ai une grosse cible. Frère, il répond pas. Il est où, Roméo? Je sais pas, il répond pas. Dick. Ouais, attends, je lui envoie un message. Dick. Ouais, je t'écoute, vas-y, parle. Dick. Ouais, tu l'as pas balancé. Mais t'es malade, toi, ou quoi? J'ai de la drogue sur moi, frère. Comment veux-tu que je balance quelqu'un si j'ai de la drogue sur moi? Je prends les mêmes risques que lui. Réfléchis un peu, frère. Même lui, il a cru que j'avais balancé. Il pensait que j'avais pas de drogue sur moi. J'ai dû lui donner une tête de weed et me la redonner pour voir que c'était bien ça, tu vois. Psychopathe. Ok. On va changer ici? Ouais, là, plus rapidement possible, Rouya. Là, on est dans la merde. Hein. J'appelle Roméo. Pourquoi il répond pas? Trop bizarre. Il répond toujours, wesh. Il a fait un accident, quoi. Attends. Roméo ne rêve pas. Peut-être. Coma. What the fuck? Ah ouais, ça se met bien. Au calme. Ah, ok. Pantalon au calme. Tes mains. Ah ouais, lourd. Bien, Casper. Dick, voilà. Casper, ok. Dick, là, je suis bien, là. Ben oui. Qui a dit que t'étais pas bien, wesh? T'es mal, la dégaine. T'es mal, le choix des couleurs et tout. Oh là, tu vas halluciner, mon pote. Oh là, mon pote, c'est le carnaval. C'est le carnaval, mon pote. Voilà, comme ça, c'est bien, au calme. Alors, il me dit quoi? Il s'est méfié peut-être, non? De ouf. J'ai très soif. Ok. Alors, inventaire. Soif. Karim, est-ce que tu peux appeler Roméo, s'il te plaît? Il répond pas. Après, ce que je peux faire, c'est leur dire qu'il m'a donné rendez-vous autre part. Et moi, j'en profite en fait pour vendre ma drogue à Unicorn, vu que j'ai le point de vente. Il répond pas? Il répond pas. Putain, on fait comment alors, du coup, là? Parce que là, j'ai envie d'aller vendre, moi.
Et deux, c'est pas suffisant, tu vois. Bah vas-y, viens. Moi, je guette. Non, c'est mort, frère. Ça, c'est mort. Regarde, si O qui m'a dit le point de vente, c'est Unicorn, crois-moi qu'on sera pas tout seul à y aller, si tu vois ce que je veux dire. Tu connais le point Unicorn sur le GPS, regarde ou pas? Pas du tout, Rouillon. Ah merde. Attends, faut que je m'en rappelle. J'ai zappé, oula. Mais toi, c'est toi qui es habitué à aller voir les putes, tout ça, là. Ouais, ah, les trucs Unicorn, c'est quoi? C'est le truc vert, des là? Ouais, le truc des putes, là. Il va y avoir masse de flics, hein. Hein? Je te le dis direct. Ah, Unicorn. Roméo. Je vais bientôt arriver, j'ai eu quelques problèmes avec un mec qui m'a embrouillé. Vas-y. Point de vente. Mais pourquoi il y aura masse de flics? Blablabla. Pose trop de questions, tu sais. Toi, t'es bizarre, hein. Mais frère, ah, j'ai bien mes sûr sources. Que je pose des questions pour. J'ai mes sources, regarde. Tiens, t'as rien sur toi, donc tu risques rien, ok? Laisse-moi gérer mes boys tranquille. Sérieux, toi? Non, mais toi, t'as dû balancer quelqu'un, toi. Comme d'habitude, moi, j'ai de la balance. Comment veux-tu que je balance alors que j'ai de la substance sur moi? Réfléchis, dis-moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner, mais frère? Toi, tu es corrompu, Rouya, toi-même. Ah bon? Qui me donne de l'argent? Vas-y, dis-moi, qui me paye? L'argent, les 3 000 dollars, c'est qui me les a payés, frère? C'est moi qui fais la drogue, c'est sur mon dos, frère, c'est ma sueur. T'es sérieux? Baisse d'un ton, connard, baisse d'un ton, bah, connard. C'est toi, là, tu me soupçonnes, là. Mais il est malade, lui. Non, c'est là. Pourquoi on va à Unicorn? Parce qu'il y a plein de ventes là-bas, frère, j'ai transformé. Tu veux que je fasse quoi avec le truc que j'ai transformé? Il faut bien que je le vende, frère, t'es sérieux? T'as vu, là, on a le même casque. T'es comment c'est stylé? Coucou les parents de la drogue. Hey, ça va ou quoi, Johnny? Ça va ou quoi, Johnny? Ouais, Johnny Balidé! Ça va ou quoi, mon gars? Alors, ça dit quoi? Ça va et vous? Ça va, Dave? Ça va ou quoi, Johnny? Tu vas bien? Ouais, oh, salut Karim! Vous avez acheté ça où là? C'est beau ça? Eh, dis-moi, Dave! C'est beau! Oh, regarde, t'as mis t'as fait la concordance des chaussures et tout là! Alors là, ça me fait plaisir! Oui, excuse-moi, Johnny, ouais! Bah oui! Parce que la dernière fois, j'ai vu toi, t'avais trop de skis, je me suis dit, faut que je fasse comme Niska! Ah ouais, mais t'avais quand même du style. Y'a un laser game qui s'organise, hein. Ah oui, y'a un laser game, ouais. Bah peut-être que là, je dois d'abord régler quelques trucs avec Karim, tout ça. Mais je passerai après, je pense. Ok. Ah bah ouais, okay. parce que... Mais seulement les inscriptions, c'est maintenant. Si vous voulez participer, c'est maintenant. Ah, ok, ça marche. Karim, bah viens, on se dépêche, viens, on y va. Comme ça, on va faire le laser game après. Ça va. Allez. Ouais, c'est terrible. Franchement, j'ai vu les images. Je m'attendais pas des risques, hein. Non, t'inquiète, voilà, t'inquiète. Karim. J'ai pas mis de casque, Ok, Karim. Là, on va aller au point de vente, ok? Juste, je te demande un truc, Roya. Tu vas voir des flics, mais Roya, on est vacciné. T'as compris ou pas? On est vacciné. Juste ne flippe pas, ok? Mais je crois que c'est mort, hein, vu que Kamala Sha'ala, frère, voilà quoi. Ça, le truc aussi. Ah! Ouais. Attends, j'ai mieux, frère, j'ai mieux. L'intelligence du mal. Ouais, John? J'ai une info pour toi, c'est encore mieux, frère. Oh. Go l'hôpital, frère. Ça, c'est l'hôpital. Ouais, il a eu un accident, frère. Ah, et il est à l'hosto, là? Ouais, il est parti se faire soigner, frère. Il a tout sur lui, encore. Il est à l'hosto, du coup? Ouais. Info sûre. Et après, merci beaucoup, je te rappelle. Vas-y, regarde, Allah. Attends. Il est bon à l'hosto ou est-ce qu'il va à l'hosto? Il m'a dit il va à l'hosto parce qu'il a eu une petite altercation, donc au pire, vous l'attendez là-bas. Petit comité au calme. Ça marche. Vas-y, oui. Et il est comment? Bah, toujours Khal, il me semble, il a pas changé d'habit, hein. Noir, dreadlocks, tout ça, ouais. Ah, ok, merci, Habibi. À tout à l'heure, ciao. Ouais. Karim, pose pas de questions, Habibi. C'est rien, ça, c'est la routine. On dirait que tu découvres la vie, frère. Voilà, ça me dégoûte. C'est pas là, le truc unicorn, hein. Le point de vente, il est pas là, hein. C'est pas ici, hein. Ah, non, il a bougé. Ok, le point de vente, il a dû bouger. Go la plage, alors, on va voir, hein. Romo, il répond pas. Non, je sais pas, ma meuf, elle est pas là ou quoi? Attends, Karim, Romeo? Attends, j'envoie un message à ma meuf. Roméo ? Ouais, t'es où, frère ? Il s'est passé quoi ? Pourquoi tu t'es embrouillé ? J'ai l'ambulance. T'es dans l'ambulance ? Ouais. Mais il s'est passé quoi, frère ? J'ai éclaté. Tu t'es éclaté ? Ouais. Ah merde, mais du coup, t'es éclaté où ? C'était quoi qui s'est passé ? Raconte l'embrouille avec le gars, là. J'ai pas compris. Attends, là, je suis dans l'ambulance. Ouais. Je te raconte tout à l'heure, dès que je sors. Vas-y, bah au pire, tu t'es là dans combien de temps à l'hôpital ? Comme ça, je viens te chercher avec Karim. En 2 minutes, même pas, mais il va sûrement me faire des radios. Ah, il va te faire des radios? Ok. Bah, vas-y, au pire, moi je vais faire un truc et après on passera après à l'hôpital, ok? Ok. Tu me bipes hein, dès que tu sors, ok? Ok, à tout. Vas-y, Roya, à tout à l'heure. Du coup, Roya, on va essayer de vendre. On va essayer de vendre à la plage, hein? Attends, je vais appeler. Je vais appeler mon gars sûr. Quand maintenant? Yep. On va où là? On va arriver. Là, on va aller à la plage, Roya. On va aller vendre. Faut que j'aille vendre. Ok. Je vais aller checker si le point de vente il est là-bas. Mais je vais appeler pour voir s'il est vraiment là-bas ou pas. Pas qu'on se déplace pour rien, tu vois. Pourquoi ma meuf elle me répond pas là? Ouais, j'envoie des messages, j'envoie tout. Quelle meuf? Anastasia. Quelle ma meuf? Allez, bouge. Ma meuf, hein. Ouais, regarde, ça va quoi? T'as reçu mon message?
Non, alors c'est quoi? Tu m'as dit quoi après? Oui, oui, Gulek, il va à l'hôpital là. Okay. Parce qu'il y a une altercation, donc Radish Do, il va faire des radios, donc t'auras tout le temps. Nickel, parfait, vas-y, ça marche, attends. Ouais, attends. Ouais. J'ai besoin d'une info, frère. Le point de vente Unicorn, il a bougé. Est-ce que c'est où le prochain? C'est la plage, il est sur la plage. Ok, je peux y aller, c'est safe ou pas? Vas-y, t'inquiète. Vas-y, Allah. Ah, ok, bébé, business is business, man. Karim, apprends des meilleurs. Comme ça qu'on fait, Roya, dans la street. Fais quoi, toi? Ça me dégoûte, personne ne répond. Roya, tu peux faire le guet pendant que tu pourras rester sur la moto? Pendant que je vends, s'il te plaît? Vas-y. Vas-y, Roya, merci. Vas-y, Roya. Vas-y, c'est là, non? Ouais, c'est là. Vas-y. Commence à revendre, voilà. Il est parti ou lui? Ouais, c'est 50$. C'est 50$. Donc là, je peux vendre en cam. J'ai vendu une info contre une autre info, tu vois. Attends, je vais l'appeler. Hey. Ouais, Roya, reste à côté de moi, s'il te plaît. Garde la moto. Ok, j'arrive. Vas-y, Roya, tout de suite. John, il a les chaussures rouges. Je sais plus, Roya. Renoir, dreadlocks, veste noire. Eh, c'est 50$ aujourd'hui, frère. Hein. Oh là, ça vit, hein. Au calme, hein. Yes, thanks. Wouah, 80 têtes de weed encore à vendre. C'est un truc de ouf. Yes. C'est bon, il l'a eu. Il a chopé Romo. Yes. Je peux vendre au calme. Attends, j'appelle Anastasia. Attends, j'appelle ta meuf. La personne au poste. Mais elle est pas 2, là, frère. 1, 3. Elle est pas là, ta meuf. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai envoyé des messages, ça répondait pas. Bah oui, faut l'appeler, elle est pas là. Elle a pas encore atterri. Il me reste encore 74 têtes de weed, Roya. Ah, ça vit, hein. Tu vas devenir riche. Mais je te passe de l'argent, frère, t'inquiète. Tranquille. J'ai perdu mon arme. J'ai perdu mes 250$. J'ai perdu toutes mes têtes de weed. Voilà, tu sais, je me suis forcé par les flics. En fait, frère. En fait, tu veux que j'explique l'histoire, Roya, ou pas? Ouais. En fait, tu vois tout à l'heure. Non, reste sur la moto, wesh. Il est malade ou quoi? Tout à l'heure, en fait, quand je t'ai dit de venir, je savais que t'avais rien sur toi, tu vois. Mais en fait, il y a John, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, Roméo, je veux l'attraper, tu vois. Parce qu'il a eu une altercation avec lui hier. Et je sais pas, il a pas réussi à le choper, tu vois. Donc, tu sais, il est assez rancunier, John. Et du coup, il m'a dit, bah, si t'es avec lui, tu me fais signe. Comme ça, bah, je te mets Yam, tu vois. Donc là, il a réussi à l'attraper. Et là, je suis en train de vendre au calme. Je pense qu'il y aura pas de flics qui vont arriver parce que c'est lui qui est aux commandes ce soir. Ah, d'accord, ok. Ouais, et en fait tout à l'heure je voulais qu'ils attrapent Roméo au point de traitement, tu vois, j'essaie de le retenir. Et en fait bah j'ai réussi un petit peu, mais vu qu'on était en cross, tu sais, on a réussi à filer, tu vois. Donc là heureusement qu'il a eu une altercation, et puis là vu qu'il est à l'hôpital, bah il l'a chopé au calme à l'hôpital avec son stuff dessus, quoi. Miskin. En plus avec tout le shit. La miskin, il avait tout le shit sur lui. Voilà. Il va arriver à l'hôpital, voilà. Bonjour, oui. Bon. Allez, contrôle d'identité, contrôle de papier, c'est pour ça, ça dégage. Là, t'imagines, là, on aurait pu vendre toi et moi, frère. Tranquille, au calme. Ouais, de ouf. Ouais. De ouf. On fera ça la prochaine fois, Inch'Allah. Mais faut avoir des infos solides, tu vois. Ça veut dire quand ils cherchent un mec, bah, tu sais, tu leur donnes. Comme ça, t'es tranquille, frère. C'est donnant. Exactement. J'espère qu'il va bien choper, ce bâtard. Là, j'ai 2400, frère. Je suis même pas encore à la moitié. Je suis sur la moitié. 2450. Donc ça veut dire je vais me faire 4900, quoi. Ça veut dire au final, je vais me faire un bénéfice de 2450$. Ce qui est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Bientôt tu vas rouler en grosse voiture. Après faut que je trouve le blanchisseur, tu vois. Mais ça j'ai les points en mémoire, donc ça va aller, tu vois. Hey, Karim, on commence à gérer un petit peu le business de la weed, non? Ouais, toi tu commences à le gérer, moi je gère rien du tout, frère. Je fais que des comas, je perds de l'argent. Roya, dis-moi, voilà. T'as fait combien de comas aujourd'hui, dis-moi? 3 ou 4, hein. Toi t'abuses, frère. Facile, hein. Pourquoi t'apprends pas de tes erreurs, Roya? Comment tu veux? J'ai même pas le temps, frère. J'ai même pas le temps d'apprendre de mes erreurs, qu'on est déjà parti sur d'autres battus, quoi. Ah ouais. Ah, beau gosse, madame, ça va? Pouah, c'est un cul, madame. Ça s'attrape ou c'est perdu, hein? Eh ben, mon vieux. Voilà, avant, quand je faisais ça, j'avais une arme. Maintenant, j'ai qu'un doigt d'honneur, ça. Ah ouais, t'as perdu ton arme, en fait? Moi, je pensais que t'as perdu une arme qui coûtait 1000. Je pensais que tout à l'heure, tu m'as dit que j'ai perdu mon âme. Plus. Mon âme, roh, je pensais. Non, j'ai perdu. Ben, mon âme, hein. Là, j'aurais préféré mourir, hein. T'es dit honnête. What the fuck? Fils de pute! Attends, je lui nique ça. Attends, 2 minutes. Aïe. Attends, arrête! Ah! Fils de pute, il m'a mis dans le coma! Bah voilà! Ça fait combien de comas là? Oh, ouais! Karim! Ça fait combien de comas là? Ouais! N'appelle pas l'ambulance, je suis en train de vendre ta race! Voilà, n'appelle rien du tout! Non, vas-y, t'as. Voilà! Même les passants, ils les hackent au calme! Ah! Ah non! Arrête de rigoler! Laisse-moi me reposer, sale bâtard! Ah!
Oh, t'es vraiment un chat de la casse, voilà. Putain. Ouais, ça c'est le karma, ça. Voilà, ça c'est le karma, frère. Le karma de quoi, frère? Eh, hey, Karim. Quoi? Apparemment, Romo, il avait rien sur lui, hein. C'est un mytho. Ah ouais? Ouais, j'étais sûr qu'il allait la mettre à l'envers. Ah, merde. Dommage. Mais moi, je m'en bats les couilles, je suis en train de vendre nos cales. Eh, hey, John, il m'a dit t'es mort, fils de pute. Ah ouais, ça sent la merde pour mort, rien. Hein.